Bonjour, je suis violoncelliste, je m'appelle Claire Aupert, j'enseigne, je joue des concerts et je travaille également dans des milieux de soins, en soins palliatifs, auprès des personnes atteintes de démence, auprès des grands autistes et des personnes douloureuses. Donc, j'ai présenté ce matin le Pansement Schubert, qui est la rencontre de la musique et du soin, quand la musique sort des salles de concert et qu'elle va à la rencontre de ceux qui n'y sont pas, dans des lieux de soins. J'ai parlé de mon travail aussi clinique, mon travail de recherche, du pansement Schubert, qui est la preuve que la musique adoucit les douleurs, qu'elle déstresse, qu'elle relaxe, et qu'elle permet parfois de transformer beaucoup de situations. Le pansement Schubert s'est montré que la présence du violoncelle, donc qui est mon instrument dans une salle de soins, au moment d'un soin douloureux, eh bien, va diminuer la douleur de 10 à 50%. Donc c'est quelque chose que je m'applique à prouver à travers des études cliniques pour pouvoir prouver que la musique fait du bien et que nous pouvons transformer des services de soins avec la présence d'une artiste. Chaque artiste qui joue, que ce soit pour lui ou pour les autres, est toujours atteint dans ses profondeurs, je pense, au moment de jouer. Le concertiste joue pour les personnes dans le public. Donc, quand je suis à l'hôpital, je ne suis pas que concertiste, je ne suis pas concertiste, je suis soignante. C'est-à-dire que ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas une animation, mais c'est vraiment une visée de soins, de prendre soin. La musique ne guérit pas, la musique prend soin et va diminuer les douleurs et va aussi donner du sens à ceux qui soignent et aux familles qui accompagnent ceux qui souffrent. Donc, cette démarche qui est la mienne, et qui est d'apporter la musique, de la partager, hein, c'est une relation qui est créée à travers la musique, on pourrait penser que c'est quelque chose d'audacieux. Mon expérience me montre que tous les chemins m'ont conduit à avoir cette posture, et que pour moi, encore plus qu'une audace, c'est quelque chose d'évident. Je pense que l'audace, c'est peut-être à ceux qui m'entourent, les chefs de service, les décideurs, les chefs d'entreprise, c'est à eux d'avoir l'audace, finalement, de changer parfois leur regard. Mais personnellement, je me sens extrêmement moi-même et pas particulièrement audacieuse.